C'est vraiment délicieux. Ah oui, c'est un genre de roquefort, le pain. C'est un genre de roquefort, oui. Ben non, c'est pas du roquefort. Bleu, comme du bleu. Du brasse. Non, c'est pas non plus. Non, même brasse. Pas. Mais c'est du... Oh zut. J'ai pas une même la mémoire des noms épouvantables. C'est pas sûr. Épouvantable. Ok. Are we finished? He's doing a video. This guy. Is that the video? He's doing a video. He's video. Toi, tu prends des photos aussi? Oui, beaucoup. Je vous enverrai. Je n'ai pas ici parce que j'avais fait un petit livre sur la marine que je. Toi, je te l'ai. Tu sais mon petit book là, mon petit booklet là. C'est vraiment un très bon livre. Oh, j'ai lu deux livres que tu as fait, ouais. Et une troisième je crois en manuscrit. L'histoire de ton père pendant la guerre. Ouais. Et vraiment il écrit très bien. J'aime beaucoup écrire. Beautiful style. Mais tu parles de quoi? Bruno has a very beautiful style of writing. He writes very clearly. Mais ça m'occupe beaucoup de temps, ça. D'abord les recherches, et puis clarifier les idées, les organiser. Oui. Style aussi, style de l'écrire. Oui. C'est très clair, c'est très net. Le bien, merci. Et ce sont surtout les mémoires, les souvenirs, les. Pas toujours. Mais bon. le strict minimum, oui. C'est juste la longueur. Donc tu as ton sac de couchage, tu peux l'étendre et dormir. C'est parfait, ça suffit, oui. Ça suffit. T'es pas sur le sol. Et tu manges surtout du poisson, des fruits de mer. Oui, et puis beaucoup de légumes aussi. Je disais ça à Gary. Des quoi? Légumes. Beaucoup de légumes. De moins en moins de viande. Tu as un bon marché. Oui, si, c'est merveilleux. Surtout le poisson. Formidable, vraiment formidable, vraiment. Mais pas le lundi, comme tu sais, tout est fermé en France. Enfin, au moins ici, en province. On a le marché d'Alger, tout près de chez nous. Bon, c'est pas comme le jardin de Carrie, mais c'est presque aussi bon. Ah oui, oui. Comme un moment donné, vous êtes formidable. Très frais, oui. Pas cher. Mais votre quartier est formidable. C'est... Oui, c'est oui. Bon. C'est on aime beaucoup le 11e. Oui, ah oui, ah, vraiment. J'ai bien aimé voir en marchant autour du quartier, j'ai beaucoup aimé voir un homme assez vieux, oui. Arabe, musulman, oui. Qui marchait avec son chapeau tout habillé en musulman. Il marchait comme ça, et en l'autre sens, marchait un hassid juif. Sans difficulté, ils se connaissaient. Ils se sont salués. Oui, pas salués, oui. Mais ils se connaissent. Ah, oui. Et ils passent comme ça, comme c'est complètement normal. Bah, et c'est ça que je demandais. Est-ce que ça existe toujours? Est-ce que ça existe toujours? Ou est-ce que tout est changé? C'est rassurant de voir que ça existe. C'est rassurant que j'ai vu moi-même. J'ai vu ces deux parce hommes. Que tu sais, dans la presse, oui, bien sûr, sais. Exagère les choses. Je sais. En même temps, c'est vrai que les choses ont changé. J'ai vu ça sur la rue d'Ali. Les choses changé. Moi, je pense que fondamentalement, au moins dans Paris, les choses n'ont pas changé. Je ne crois pas. Je ne pense pas que les choses changent. Je pense que tout le monde sait que c'est l'extrême, si tu veux. Oui. Que cet extrême est. C'est extrême, mais ça existe. Mais ça existe. Le monde a changé. Le monde change. Le monde a changé. Paris n'a pas tellement changé. Le Paris que tu connais n'a pas changé. Oui. Là, tu es vraiment dans le cœur de Paris. Oui, enfin, complètement. Tu as raison. Il faudrait. En fait, ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas le Paris que je ne connais pas. Oui, oui. Par exemple, quand avec ce bateau, je vais. Que je vais à. Enfin bref, les villes. Non. Là, il y a vraiment une ville arabe et une ville française qui ne se mélangent pas. Mais pas à Paris. À Paris. À Paris. Pas à Paris. Je crois que
Bah, vous, vous êtes particulièrement préservé de ça. Dans notre quartier. Je pense. Ouais. Mais par exemple, dans votre famille, vous n'avez personne qui est reparti en Israël, quand même. Personne n'a songé partir, quitter la France pour aller en Israël. Non, probablement pas. Non, je pense pas. Moi, je crois que fondamentalement, les choses... Et famille, ni amis de notre âge, au moins. Oui. Nos âges. Peut-être les Nord-Africains plus jeunes, les familles nombreuses, ouais. Les séfarades, peut-être. Ils se répètent. Bon, il y a quand même des milliers de gens.